Bon, j'ai eu plusieurs questions en ce qui a trait à l'origine du dioxyde de carbone qui est présent dans votre sang lors des échanges gazeux entre les capillaires sanguins, donc le sang et vos alvéoles. Donc, le dioxyde de carbone, je vais vous montrer d'où ce qui vient de façon précise. Donc, ici, je vous ai mis l'équation qui illustre la respiration cellulaire. Donc, habituellement, surtout pour de l'énergie qu'on a besoin à court terme, on va brûler le glucose qui est présent dans nos cellules. Donc le glucose, vous l'avez ici. Donc vous reconnaissez la molécule de glucose, C6H12O6, j'en ai déjà parlé en classe. Donc c'est une molécule relativement grosse qui contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. À ça, on ajoute du dioxygène qu'on va prendre lorsqu'on va inspirer. Ça va nous donner ici de l'énergie. Du dioxyde de carbone, qui est un déchet, et un autre déchet, c'est de l'eau. Donc, si on veut avoir vraiment l'équation qu'on appelle en science balancée, on va ajouter, vous verrez comment faire en quatrième secondaire, là, des petits 6. Pourquoi? Vous avez déjà entendu ça, c'est l'énoncé de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Même si on a des flammes, des explosions, on a constaté dans le fond que les atomes, lorsqu'il y a une réaction chimique, vont changer de place, oui, mais il n'y a pas de destruction d'atomes. Donc là, si on fait juste un décompte rapide, on s'aperçoit ici que j'ai 6 carbones à gauche de mon équation, donc les réactifs qu'on appelle, et à droite, si je compte, j'en ai 6 ici. Par la suite, j'ai 12 hydrogènes. Et si j'arrive de l'autre côté, 6 fois 2, j'en ai 12 à nouveau. Et j'ai 6 oxygènes ici, plus 6 fois 2, 12. Ici, j'ai 6 fois 2, 12 oxygènes, plus 6 fois mon oxygène qui est là. Ça fait 18 d'un côté. Et 18 de l'autre. Donc, c'est ma réaction chimique. Lorsque ça arrive dans les cellules, l'oxygène se diffuse dans les cellules. On a besoin d'énergie. On va brûler notre glucose ici. Dans le fond, on le dégrade, ce qui va produire juste ici de l'énergie qu'on sert pour bouger, se réchauffer, etc. Donc, évidemment, il s'agit d'une version simplifiée de la réaction. Parce que ça me prendrait plusieurs pages à vous montrer ce qui se passe entre les réactifs et les produits. Là, c'est vraiment une réaction incroyablement, pardon, complexe. Donc, le fameux CO2 qu'on produit, nous, et qu'on va expirer, provient de la combustion cellulaire. Je vais juste faire remarquer en terminant, c'est pas vraiment matière à examen, mais c'est vraiment incroyable de constater ça. Quand on dit dans la nature que les plantes, c'est important, qu'on a besoin aussi de protéger l'environnement, mais si vous constatez, vous regardez comme il faut, si on prend la réaction de l'autre côté, on se retrouve avec une réaction que vous avez vue en première secondaire qu'on appelle la photosynthèse. Donc, les molécules qu'on produit, juste ici, le glucose, vous savez qu'on prend ça des plantes, entre autres la canne à sucre. La plante, comment a-t-elle fait pour construire cette molécule-là énergétique? Ben, si vous remarquez, une plante en a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau, pardon, pour survivre. Elle a besoin du dioxyde de carbone que nous expirons. Pour nous, c'est un déchet. Elle s'en nourrit. Elle a besoin de lumière, que ce soit une lumière artificielle ou le soleil. Et avec cette énergie solaire-là, elle va réussir à synthétiser, c'est-à-dire construire atome par atome, la molécule de glucose. Et son déchet qu'elle va produire, c'est l'oxygène, le dioxygène, que nous allons réutiliser. Donc l'énergie qui est dans le glucose, c'est, à quelque part, l'énergie du soleil. Donc les plantes captent l'énergie solaire, utilisent cette énergie-là pour construire une molécule très énergétique, le glucose, du sucre. Et nous, après ça, on mange les plantes, on utilise ce sucre-là qui dégage son énergie chimique, mais cette énergie chimique-là, en fait, c'est l'énergie du soleil, n'est-ce pas incroyable? Donc,
cette réaction-là, je dirais qu'elle est ultra importante dans l'apparition de la vie sur Terre, en fait. Nous, on l'utilise en termes de combustion cellulaire, tandis que les plantes font complètement le contraire, ce qui crée un équilibre sur la planète. Bon, excusez, c'est encore une de mes parenthèses, mais c'est quand même fascinant de constater tout ça.